Bonjour frères et sœurs de la chaîne FL Kato. Alors aujourd'hui, je vous propose de regarder et d'écouter un reportage. Ça n'est pas un reportage spécialement Kato, prière, tout ça, mais c'est un reportage sur la gentillesse et la charité. Voilà, la douceur. C'est l'histoire d'une jeune personne qui a à peu près 35 ans et qui fait le tour du monde, enfin le tour, elle va de partout avec une moto parce qu'elle aime beaucoup la moto. Voilà. Et donc, je la suis depuis très longtemps et elle va voir les pauvres. Elle visite la pauvreté. Et voilà, et partout, hein, d'ailleurs, pas spécialement, suivant où elle passe, elle les aide comme elle peut. Voilà, parce que elle travaille comme moi sur YouTube, elle fait des reportages et elle les met sur YouTube. Et elle est monétisée, elle gagne de l'argent et elle fait profiter. Voilà, c'est un autre genre de faire, quoi. Voilà. Moi, c'est pas pareil. Je ne suis pas monétisé, attention. Moi, c'est tout gratuit pour la gloire de Dieu. Parce que ça ne m'intéresse pas, c'est tout. Voilà. Donc, cette jeune personne s'appelle Noralie. Je répète, Noralie, avec Y à la fin. Noralie. Et donc, c'est une Hollandaise. Voilà. Alors, elle parle anglais, espagnol et un tout petit peu le français. Elle parle comme ça. Je parle un tout petit peu le français. Mais elle se débrouille pas mal. Voilà. Alors, elle bourlingue dans le monde entier. Là, en ce moment, elle est au Congo. Mais le reportage que j'ai fait, elle se trouvait au Canada. Voilà, elle se trouvait au Canada. J'ai fait ce reportage en septembre 2022. Septembre 2022. Et en décembre 2022, j'ai commencé FL Kato. Donc, quand vous me verrez en train de parler de ce reportage, nous étions en septembre 2022, et moi, je n'avais pas encore commencé FL Kato. Voilà. Enfin, c'est le même personnage que vous voyez en ce moment, hein. Et c'est pareil, c'est François. Mais bon, c'est pas loin, hein. Septembre 2022, c'est pas loin. Et donc, voilà, j'ai le plaisir de vous montrer ça. Vous n'êtes pas obligé de regarder jusqu'au bout. C'est pas un film. C'est un diaporama avec un fond musical. J'ai arrangé ça comme j'ai pu. Et puis au début, j'explique, hein, je donne une explication. Et voilà, si vous voulez avoir le plaisir de regarder, voilà, c'est moi qui ai conçu, confectionné tout ça, et puis à la grâce de Dieu. Voilà. Bonne vision, et à tout à l'heure. À la fin du reportage, je reprends et je vous donnerai la fin de l'explication. Bonjour amis internautes, très ravi de vous retrouver. Et voilà, c'est Troy, hein, Troy 21, pour pas changer. Alors écoutez, je vous avais promis il y a quelques jours une surprise. Oui, une surprise au point de vue moto. Hein. On va parler moto. Pour l'instant, c'est moto. Mais c'est pas la mienne. Non, on va pas parler de ma moto aujourd'hui. Je vais vous parler d'une jeune personne qui a 35 ans quand même, oui, et très sympathique, qui est folle de la moto depuis toujours. Elle s'appelle Noralie. Alors, ceux qui la connaissent, bien sûr, ils savent très bien de quoi je parle et de qui je parle. Noralie, Ichiboots, c'est... ça veut dire les bottes qui démangent, parce qu'elle a les pieds, les bottes qui démangent, elle a envie de bourlinguer partout, voilà, et
4 ans en arrière, je vais essayer de ne pas me tromper et de, d'essayer d'assimiler. Cette jeune personne, 4 ans en arrière, elle a tout plaqué, tout vendu, et elle a acheté une moto qui lui convient, elle a le permis moto. Elle a acheté une moto, oh, pas une des plus grosses, une moyenne, on va dire 300 cm3, c'est déjà pas mal. Et donc, elle est partie. Voilà, c'est une Hollandaise dans les Pays-Bas. Voilà. Et elle est partie, elle a quitté ses parents, tout ça, et 4 ans en arrière, à 30 ans, par là, elle est partie. Elle a pris sa moto, elle l'a mis dans l'avion et elle est partie en Afrique du Sud. Elle a commencé par l'Afrique du Sud parce qu'elle a fait le tour du monde. Elle a dépassé les 100 000 kilomètres avec ses motos. Elle en a eu plusieurs. Ben forcément, une moto, ça s'use hein, plus vite qu'une voiture. Alors moi, chaque fois que je la suis sur YouTube, je récupère des photos. C'est-à-dire, tous les passages que je vois, je fais une pause et je fais une capture d'écran. Et donc, ça fait des photos. Et quelles photos ? Parce qu'elle filme tout en 4K. 4K ! Alors, bonjour la qualité. Alors, moi, j'ai récupéré plein de photos et je vous ai fait un diaporama avec un fond musical. Il y a plusieurs musiques jolies, entraînantes, et ce sont des photos, ce sont pas des films, des photos, mais avec des écritures en dessous. Voilà. Alors si vous n'arrivez pas à lire vite, vous faites une pause hein, et puis vous lisez ou vous revenez en arrière, mais ça vaut le coup. Elle est tellement sympathique. Alors ce qui m'a touché c'est chez cette jeune personne, c'est son amour. Oui. Elle a un cœur plein d'amour. D'ailleurs, ça se voit sur ses yeux. Voilà. Alors, ce qu'elle nous, elle nous a fait voir dans tous ses voyages, c'est pas la richesse, c'est la pauvreté. Elle est allée filmer la pauvreté. Et les gens, quand ils la voyaient arriver, elle tape la discute. Elle parle anglais, espagnol, un petit peu le français. Hein, c'est ce qu'elle a dit. Je parle un petit peu le français. Voilà. Et donc, elle n'a pas parlé en français, c'est tout ce qu'elle a dit. Mais disons que les gens, quand ils voyaient son cœur plein d'amour, alors évidemment, ils la recevaient chez eux. Elle l'a recevait chez eux et il y avait tout. Il y avait l'accueil, il y avait à boire et à manger, il y avait pour dormir, mais après le lendemain matin il fallait qu'elle reprenne la route, mais eux ils ne voulaient pas la laisser. Non, tu restes encore avec nous. C'est ça qui est touchant. Voilà, si vous avez un cœur un peu tendre, regardez-la. Vous tapez Noraly sur la barre d'espace dans YouTube, Noraly avec Y à la fin. Voilà. Et là, vous allez découvrir un cœur merveilleux. Voilà. En plus, elle est belle. Elle est jolie. Oui, elle est un peu plus grande que moi. Elle est belle. Elle doit être châtain clair, les cheveux mi-longs. Voilà. Elle est belle. On s'y attache. Voilà. Alors, elle n'a pas d'amis, copains, elle ne veut personne. Elle veut garder sa liberté et conquérir le monde entier. Mais ça fait 4 ans qu'elle bourlingue le monde. Et croyez-moi, ça vaut le coup de s'y intéresser, de la regarder. Voilà,
Je pense que je vous ai dit pas mal de choses. Vous allez voir mon diaporama. J'ai choisi les plus belles images. Franchement, à un moment donné, elle a rencontré des policiers, des douaniers, parce qu'elle a passé toutes les frontières du monde. Et il y a des... un jour, et on verra la photo, un jour, il y a un douanier qui lui a dit « Eh, mais je vous connais! Vous n'êtes pas celle qui est sur YouTube avec une moto ?» Alors elle l'a regardé, elle a dit « Oui. Ah, mais vous êtes Norali ?» Oui, oh là là, le bonhomme, il avait envie de l'attraper et de la serrer dans ses bras. Voilà. Alors, des petites anecdotes comme ça, elle en a beaucoup. Même des policiers, même d'autres personnes. Voilà, alors, elle commence à être connue dans le monde entier. Voilà, ça vaut le coup d'aller la voir. Ça vaut le coup. Et surtout, n'oubliez pas de lui mettre un petit coup de pouce, hein, quand vous allez regarder les vidéos. Mais vous verrez, vous penserez à moi, vous direz, je pense que vous penserez à Troy 21. Voilà. Je m'adresse aux personnes qui ne la connaissent pas. Voilà. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Voilà. À la fin de ce diaporama, je vous reprends. Voilà, je reprends l'antenne et je vous dirai un petit coucou, au revoir. Je vous remercie. Buona visione. Voilà, ça c'est en italien, je suis d'origine italienne. J'espère que je ne me suis pas fait trop long et que vous allez vous régaler. J'ai oublié de vous apporter une petite précision. Quand vous irez sur YouTube pour la regarder, il faut impérativement que vous alliez, vous faites une pause. Il faut aller dans les paramètres, à droite, en bas de l'écran, dans les paramètres et vous choisissez la langue en français. Hein, alors, vous cherchez à comprendre, hein, c'est pas compliqué. Plus bête que moi, il n'y a pas et j'y suis arrivé. Voilà, non, je plaisante, hein, mais bon, quand on aime, on s'accroche et on y arrive. Voilà. Moi, je n'ai pas été à l'école longtemps et tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais, je l'ai appris sur le tas. Et comme tout le monde, hein, c'est normal. Hein. Après, ceux qui ont fait des études, ce sont des génies. Et moi, je ne suis pas un génie. Voilà, et je suis quand même sur YouTube et vous me voyez. Voilà, j'essaye de donner le plus de sympathie possible pour... Je n'ai aucune prétention, voilà, aucune gloriole. Tout ce que je fais, je le fais dans la plus grande simplicité. Voilà, qui s'appelait, tant mieux. Et voilà. Et pensez-y, vous me mettrez un coup de pouce, un petit commentaire, c'est tout. N'importe comment, un petit joli coup. Même si vous me mettez rien, ça fait rien. Voilà, vous marquez, j'ai vu. Ça me fera plaisir. Voilà. Et que vous dire de plus, voilà, mais alors, je pense que je vous ai tout dit. Voilà, c'est important de le traduire en français, parce que vous pourrez lire en français ce qu'elle dit, voilà. Parce qu'elle les enregistre, ses films, et puis après elle fait les montages, ouais, comme j'ai fait moi, hein. Je sais très bien ce qu'elle fait, je la connais par cœur cette fille. Voilà, elle est blonde aux yeux bleus, voilà. Je pense qu'elle se l'éteint un peu, mais elle est belle, blonde aux yeux bleus, vous verrez, vous ne regretterez pas. Allez, merci pour elle. Let's go! Allez Noralie, vas-y, vas-y.
Eh bien voilà. Oui, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, c'est très touchant. Ouais, c'est très... Elle est craquante. Elle est belle, en plus. En plus, elle est belle. Bon, je ne veux pas me l'approprier. Non, loin de là. Personne ne pourra se l'approprier. Personne. Elle veut personne. Voilà. Elle veut garder sa liberté. Si vous avez vu quelques passages, elle le dit. Voilà. Un jour, il y a des enfants des pays pauvres. Il y en a une, il y a une petite qui lui dit tu n'as pas de copain, tu n'as pas de mari, et elle lui a dit non avec la tête. Tu n'en veux pas? Non, je n'en veux pas. C'est très touchant, voilà. Mais essayez d'aller sur YouTube et d'essayer de la voir. Vous allez voir, elle en a fait beaucoup, hein, ça fait 4 ans. Alors, il y a les dates, il y a les passages. Alors évidemment, quand elle a commencé au tout début, elle n'avait pas tout à fait le même visage. Elle était plus jeune, toujours aussi jolie. Alors aujourd'hui, ben, elle a 4 ans de plus, ça se voit. Mais les voyages... l'use un peu. On voit que le visage est quand même n'est plus tout à fait le même. Elle est toujours belle, elle a toujours ses beaux yeux. Mais bon, voilà. En ce moment, là, à l'heure où je vous parle, hein, je vous dis la date, hein, c'est pas un secret. Nous sommes samedi 10 septembre 2022. Et ben, en ce moment, elle est en train de traverser le Canada. Voilà, le Canada. Eh bien, quand vous irez sur YouTube, vous verrez sa toute dernière vidéo. Il y a les dates, hein, on ne peut pas se tromper. Et voilà, elle traverse le Canada. Elle est très peinée. Très peinée parce que le Canada n'est plus le Canada qui était avant, quoi. Beaucoup de neige partout, tout ça... Tout ça, avec le réchauffement climatique, tout ça est en train de disparaître. Et elle est géologue. Donc, elle sait de quoi elle parle. Partout où elle est allée, elle a donné des explications. On dirait un professeur. Partout, dans tous les endroits. C'est ça qui est magnifique avec cette fille. Je vous en supplie, regardez-la. Hasta luego. À bientôt dans de nouvelles aventures. Au revoir à tous.